Je fais tout le temps ça, maman. Bon matin tout le monde! On s'excuse, on est 5 minutes en retard. Mais, on est là. Tu sais, des enfants, c'est comment dire... imprévisible. Fait que là, on est dehors. Puis, on voulait vous faire nos trois recettes. Comme Chloé, Amy, Rose. Exact. Là, je vais vous laisser vous présenter. Un instant. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un gel après soleil, un chasse moustique, puis un roll-on après piqûre. C'est trois recettes qui roulent sans cesse chez nous. Il y a plusieurs formules pour les faire, mais de la plus simple à la plus élaborée, c'est tout aussi efficace. Donc, je vais laisser Chloé se présenter. Tu viens de dire. Vas-y, ma poule. Tu viens de dire. Salut, je m'appelle Chloé. T'as quel âge? J'ai 9 ans. T'as 9 ans. OK, super. Puis t'as la meilleure maman du monde? Oui. OK. Rose? Je m'appelle Rose. J'ai 7 ans. T'as 7 ans? Puis t'as la meilleure maman du monde? Oui. OK. Et toi? Tu t'appelles Amy? J'ai 7 ans. T'as 7 ans. OK. La même âge de moi. La même âge que toi, pourquoi? Parce que parce que vous êtes pareil. C'est pas ma meilleure mère. Ah, t'as pas la meilleure mère du monde? Ben, t'as le meilleur père du monde? Non. Non plus? Bon, ça y est, t'es tombée dans mauvaise famille. OK. Passe-moi les recettes, Amy, s'il te plaît. Moi, maman, je vais faire ça. Passe-moi les recettes. Toi, tu fais le chasse moustique? Oui. Moi, je fais ça. Le gel. OK. Puis toi, tu vas faire. C'est ça, moi. C'est cette recette-là. OK. Fait que là, Amy, elle veut faire le chasse moustique. Je vais te donner les ingrédients qu'on a besoin. C'est une bouteille vaporisatrice. Bon, là, avant qu'on commence, par exemple, je vous mets en garde sur une chose. Arrête, s'il te plaît. Ça marche. Oui! Arrête, s'il te plaît. Pourquoi ça marche? OK, je vous m'en garde sur une chose. Parce qu'il y a mes enfants sont habitués de manipuler des huiles essentielles. Ils sont, ça fait partie de notre quotidien parce qu'on n'utilise seulement que ça. Évidemment, on a besoin d'une supervision. des recettes qui sont faciles comme celle-là, moi, ça me fait plaisir qu'ils s'impliquent puis qu'ils le fassent avec moi. Mais comme je vous dis, soyez présents, soyez là, ayez toujours un œil. Ah, les filles! Quoi? Qu'est-ce que... Attendez-moi une seconde, je m'en recule. Qu'est-ce qu'on a fait avant de venir faire nos recettes? On a placé nos enfants dedans. On a sorti tous nos ingrédients, oui, mais on a été lavé. Laver nos mains! Exactement. On a été laver nos mains. Donc là, on a Amy qui va faire le chasse moustique. Fait que là, on a besoin d'une bouteille vaporisatrice. Une bouteille. Non, donne-moi-la, s'il te plaît. Parce que c'est écrit en très petit. OK, une bouteille. Ensuite, on a besoin de l'eau. De l'eau. De l'eau, madame. De l'eau. Peux-tu boire? Non. Oui, mais s'il en reste... S'il en reste, tu pourras boire. Yes. De l'eau. Là, pour que ça aille mieux, par exemple, on va avoir besoin d'un entonnoir pour que ça soit dedans. C'est pas un entonnoir, c'est un entonnoir bleu. Sonia est là, puis elle nous regarde. Sonia qui? Sonia ton amie? Sonia mon amie, oui. Ah. Dis bonjour. Coucou. OK. Ensuite, on a besoin de... C'est quoi celui-là? Lis en vert. Il y a une étiquette vert, puis il y a un mot dedans. Où lis en vert? Géranium. Évoluer! Non, arrêtez! Et citronnelle. Citronnelle. Le vert, c'est quoi? Ah, le vert, c'est. Terracie. Terracie. C'est ça, c'est la synergie Terrashield. Terrashield. Et elle est conçue spécialement pour éloigner les bestioles. Parfait, parfait pour... Wow! Non, 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 non. Minute. Ça, c'est ma version... Ça, c'est ma version lâche de mon chasse moustique. Je prends mon Terrashield et j'ai mis un spray par-dessus.
qui est faite exprès pour les bouteilles de 15 ml que j'ai trouvées sur Amazon. J'essaie de vous faire ça pas flou, là. En tout cas, bon. Donc, full facile. Maman, demain. Dedans. Ouais, c'est ce que je l'ai vidé. C'était notre fond de recette de l'année passée. Je vais le vider, maman. OK, parfait. Viens te rasseoir. On est prête pour faire notre recette. Mais moi, c'est quoi que je fais comme recette? Un instant. Après, okay. Ça va être à toi. Non, mais je vois l'autre. Non. Est-ce que tu es prête? Non, c'est à moi après, maman. Là, tu vas avoir besoin d'aide pour quelqu'un qui va tenir la bouteille. Puis quelqu'un qui va tenir l'entonnoir. Puis toi, tu vas mettre les ingrédients dedans. Moi, je tiens l'entonnoir. Moi, je tiens non, mais toi, Amy, tu vas mettre les ingrédients dedans. Non, mais là... OK, mais Rose, tu tiens l'entonnoir. Là, tu tiens ça. Sur la table. Parfait. Attends, récent. OK, on bouge plus. Super. Ça, on a besoin de ça d'eau. Tu vois, tiens-le ici. Non, parce que toi, ça t'est... Oui, ici. Tiens-le avec la poignée, s'il te plaît. Mur, la poignée. Merci. Ça, maman, il fait, mets de l'eau dedans. Fais-la à la papote. Mais non. Comment tu vas réussir à mettre de l'eau dedans? Oui, je vais c'est pas grave, OK? C'est pas grave, c'est pas grave. Mets-le, mets-en, tiens. Jusqu'au bout, là. Attends un peu. Mets-le droit, parce que là, c'est... Qui arrête. Okay. Tu peux verser. Il y en manque un peu, là. Oui, c'est ça, il y en manque un peu. C'est ça, je t'avais dit. Un petit shot d'eau. Un petit affaire. Okay. D'accord. OK. Bon, vous voyez, c'est complètement scientifique ce qu'on fait. Parfait. Amy, t'es pas obligée de le mettre. Là, c'est quoi la quantité qu'on a mis ici d'eau? Moi, je sais. Un quart. Un quart, un sur quatre. Chloé, t'es-tu en train d'apprendre les fractions? Oui. Parce que oui. Moi, c'est un quart. Là, un quart. En ce moment, je suis en train d'apprendre, mettons, une semaine, c'est combien de jours? C'est, mettons, un B7. OK. Moi, c'est 7 jours. C'est même pas l'heure. OK. Là, en temps normal, on aurait mis un quart. Tenez-le. Les filles, suivez-moi alors. Tiens. Quoi? On aurait mis de l'huile de noix de coco fractionnée, sauf que là, on n'en a pas assez. Fait qu'on va attendre que je reçoive ma commande pour compléter la recette. S'il te plaît, maman. On n'en a pas assez. Oui, oui, on en a assez. Non, mais faut le prendre. On va le mettre s'il en reste à la fin. OK? C'est cool. Donc là, on a mis un quart de tasse d'eau. Maintenant, on va mettre nos huiles essentielles. Enlève l'entonnoir. OK? Un instant. Tu vas mettre 20... gouttes. On compte jusqu'à 20 ensemble. C'est et là, tu y vas... Douce. Tu le... vous comptez pas, vous deux. Il y a juste Amy qui compte. Tu le sais, tu y vas doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marche-tu? 20. Yes! Rose, elle est comptée, fait que là, je vais mélanger. Moi, j'ai fait tout seul. Super! Là, comme je vous disais, il nous manque notre huile de noix de coco fractionnée. On aurait mis aussi un quart de tasse. Donc, même quantité d'eau et d'huile de noix de coco fractionnée. On a mis 20 gouttes de géranium et là, on met 20 gouttes de citronnelle. Chloé. Le compte pas, là. Compte dans ma tête. Exact. J'entends. Compte dans ta tête. C'est ça. C'est beau. Parfait. Vas-y, Amy. On en met 20. Il nous manque une seule... Oui, exact. Attends un petit peu, Amy, s'il te plaît. Je vais t'expliquer comment on va faire. Là, moi, là, dans cette bouteille-là, j'ai enlevé le compte-gouttes comme ça ici. Là. Je l'ai enlevé, ça. Puis moi, j'ai mis un spray. Attends, j'ai été dit. Fait que là, moi, j'ai ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené ça ici. Fait que là, je... OK, fait que là, on va enlever le spray. Comment est-ce que ça s'appelle une pipette? Oui, ça s'appelle une pipette. Donc là, je vais le mettre où? Un petit peu. Oui. Est-ce qu'on a besoin encore de l'eau? Tu peux-tu tenir la bouteille? Moi, merci. Je peux tenir ça. Tiens-le comme ça, pas que ça dégouline. Il est ici, Chloé. OK,
Là, on met 20 gouttes aussi. Fait que là, tu pèses. Ouais. Vas-y, doucement. Doucement. Puis là, tu vas peser un petit peu. Ça, c'est beaucoup, beaucoup de gouttes, là. C'est pas à chaque fois que tu pèses que ça fait une goutte. Là, on est rendu à 12. 13. Arrête de compter. Je compte pas! Vas-y, vas-y, vas-y! 14. Arrête, maman. Maman, fin! Arrête, okay. Remets-le dedans. Pèse très fort. Yes! Et voilà, c'est toi, zette là. Zette là. Chloé, je t'avais demandé de le tenir. Je voulais pas qu'il touche à la guenille. Es-tu capable de le remettre? C'est Amy, elle a dit ça, la non. Mettre. Pèse fort, puis tourne. OK, et voilà. On n'a pas terminé. OK. Fait que là, quand on va recevoir notre huile de noix de coco fractionnée, tout ce qui va nous rester à faire, c'est d'ajouter un quart de tasse d'huile de noix de coco fractionnée. Maman, est-ce que je peux en boire? Arrête, s'il te plaît. Est-ce que je peux en boire? Attention pour pas que ta bouteille tombe. Amy, tu peux remettre le... Là, c'est à moi. Comme ça, remets-le okay, dessus. Est-ce que je peux en boire? Tourne. Tu peux boire de l'eau si tu veux. Okay, et là, on a un chasse-moustique. C'est moi, je vais prendre devant les hommes. Et sur ma bouteille, j'ai aussi marqué Pou. C'est une recette parfaite pour éloigner les poux. Donc, vous pouvez l'utiliser en prévention. Là, un spray sur la nuque avant de partir pour l'école. Les filles. Je donne de m'en mettre. Maman, on a toutes les roses. Maman, je vais en mettre, puis Rose, elle veut bien le poux. T'attends un instant. OK. Et Rose, c'est à toi. Ça, c'est mon titre. Bon, tu fais quoi? Toi, tu voulais faire... Le gel. Le gel. Ouais. OK. On a besoin... Je vous apprends rien qu'on vous dit. On a besoin de gel d'aloès. Oh, mais là, je voulais faire ça, mais je pensais qu'il n'y avait pas de gel dedans. C'est trop proche. On a besoin d'un contenant. Puis d'un papier pour écrire que c'est quoi ça. Exact. Puis, on a besoin d'un crayon, là, pour écrire c'est quoi. Exact. Puis, ça, c'est de l'huile. Non, regarde. Hey, c'est de... Amy. Quoi? Donne-moi ça. Je m'en mets. C'est écrit vitamine. Vitamine E. Vitamine. Ça, c'est pour... Non, vitamine. C'est un tiers. Une cuillère à thé. Okay. Ça, c'est un... Une tasse. Une tasse. OK. Maintenant, les huiles. Ça, c'est une huile. Ouais, mais dis-moi, c'est laquelle? C'est... Et que je peux aller dans la piscine? Il est en français, en bas. Ici? Quoi? Non, pas tout de suite. Tu attends qu'on ait terminé. C'est arbre à thé. À thé, yes! Après... Lavande. Non, en bas, il est en français. Menthe. Poivron. Poivré. Poivré. Lui, il va être un petit peu plus difficile. Coupaïba. Oh, mais maman, je vais m'en mettre, moi. OK. Je voudrais m'en mettre, maman. Bon. Maman, je voudrais m'en mettre. Oui, ben, un instant, on n'a pas fait la recette. Ben oui, OK. Donne. Merci. Tu peux te disposer, Amy. OK. Je prends ça. Oui. Mais il y a le pot de le Davis. Oui. Puis je prends le ça. Oui. Oh my God, il est gros le pot, maman. Oui. Tu peux prendre l'entonnoir pour que ça aille mieux pour pas faire de dégâts. Hey! On n'a pas besoin de le tenir. Là, écoutez-moi, là. Là, il y a un tape rose. Je vous enlève? Oui, enlève-le. Ici. C'est juste pour pas que ça fasse des dégâts. C'est pour ça qu'elle a mis du tape. Ah, c'est un tour. Et moi, je voyais même pas. Tiens, écris ça. Non, il met ce correct. Mais c'est rose, sinon, ça fait ça de moi. Le pauvre, il t'a redouché, dis ça.
Remets-le dedans. Vas-y. Ouais, parfait, ça. Mais sinon, ça fait ça de même, regarde. De même. Super, Rosé. Au bord. Moi, je m'appelle la Poubonne. Ok, parfait. Claude, tu peux aller mettre sa poubelle? Bam! Direction à la poubelle! Bon. On met une tasse de gel d'aloès. Est-ce que tu es capable de remplir la tasse bleue? Je vais t'en tenir pour pas que tu aies besoin de la tenir. Okay. Non, laisse-la faire avec Chloé. Et maman, qu'est-ce que tu as liché? Non. Ah, pourquoi? Ça va pas dans la bouche. Oui, ça va être dégueulasse. Mais non, c'est bon. T'as déjà goûté? Oui. Non, jamais goûté. Salut, Émilie. Salut, Émilie. C'est qui, Émilie? Émilie Marin. C'est qui, Émilie Marin? Elle nous écoute. C'est qui? Elle vous regarde. C'est qui? C'est une personne qui utilise les huiles. C'est une collègue de travail à maman. Oui. Continue, Rose. Vas-y, lâche pas. Une tasse de gel d'aloès. Ah, oh, c'est ça même. Si vous vous demandez où est-ce que je prends mes matières premières, je les prends à 98% toutes chez Pure Arôme, purarome.com. Le propriétaire s'appelle Mathieu, il est très sympathique et je vous ai d'ailleurs traité un rabais pour vous. Ok, alors, Rose, ça fait ça de même. Attention, ça va. Ok, c'est beau, énoncé. Tout est parfait. Rose, ça fait ça de même. Vas-y, doucement. Doucement. Ça coule, on voit. Regarde, un petit peu. Ok, ça coule. Vas-y, on y va doucement. Non, attends, Rose. Puis, je vous ai têté un code rabais qui est Inspire 10, 5. Inspire 5, excusez. Vous avez 5% de rabais. I-N-S-P-I-R-E 5 en minuscule. Maman, t'as pensé à le chiffre 5. Arrête, Rose! C'est qui fait la recette, Amy? Arrête, Rose! Regarde, t'aurais pas dû le Rose de ton oeil. Amy, qui fait la recette? Moi. Non. Toi, tu as fait la tienne. Donc, laisse-la faire. Laisse-la faire. Ça suffit, Amy. Laisse-la. Non, on va pas de dégâts. Ok, remets le couvercle, Chloé, s'il te plaît. Bon, tu vas-tu y arriver avec ta tasse de gel d'aloès? Ça prend pas grand-chose pour faire toutes les recettes qu'on vous montre là. Ça prend de l'eau, du gel d'aloès, de l'huile de noix de coco fractionnée, les contenants, puis les huiles essentielles. Excusez-moi. Puis la vitamine E. La vitamine E, à quoi ça sert dans nos recettes? Ça va éviter que les huiles y rancissent trop rapidement. Donc, ça va nous donner... Attention à tes cheveux, Chloé, il y a du... qui rancissent trop rapidement. Donc, c'est comme un... On peut le qualifier d'agent de conservation. Il faut le dire vite, là, on s'entend. Oui, tu peux le mettre là. Naturel, en fait, parce que la vitamine E, c'est naturel. Mais c'est pas, on n'est pas dans le synthétique où on va pouvoir conserver nos recettes pendant des années. Là. On n'est pas là. Mais moi, ces recettes-là, je les refais entre 2 à 3 fois durant mon été. Autant le chasse-moustique que le gel après-soleil que ce que Chloé va nous faire après, ça va être un... Non, t'es là-bas, je sais pas. Un rouleau? Non, s'il te plaît, arrête. OK. Surprise! Bon, allez hop là, on active le pas. Allez hop. Prends la cuillère. Parce que moi, là, je vais aller me baigner, maman. Rose. Mais t'es terminé de pas aller te baigner. Non, parce que je suis pas là pour la surveiller. En attendant, on se dit 6 ans, oui. OK. Merci, madame. Mais je vais faire le brochage. Bon. Là, dans notre gel après soleil, on a besoin des 4 huiles arbre à thé, menthe poivrée, copaïba et lavande. Et
Et voilà, toutes les huiles qu'on a besoin. Oui, exact. Et puis ça, là, je vous dis, là, c'est une recette, un incontournable chez nous. Après c'est chaque beau, journée regardez, d'été passée dehors, on se crème avec ça. C'est vraiment fabuleux, là. L'effet arbre à thé qui va être antifongique, menthe poivrée qui est super rafraîchissant, lavande qui est apaisant, copaïba qui est anti-inflammatoire. On a un quatuor de feu. Bon, là-dessus, là? Non. OK, arrête, là. C'est trop bon. OK, c'est beau. Donne-moi la cuillère. Donne-moi la cuillère. Et tabarouette. OK. Bon, j'ai besoin de 80 gouttes. Non. Là, un instant. Tu vas mettre une cuillère à thé. Referme ta bouteille tout de suite. Une cuillère à thé de vitamine E. Vas-y doucement parce que c'est liquide. Oui. C'est ferme. Donne-moi mon crayon, s'il te plaît. Je sais pas. Vas-y droit. Mets-la droite, ta cuillère. Sinon, ça va tomber. Oui. OK. Vas-y. Remplis-la. Elle est presque pleine. Vous essayez. Wow, mets-toi au-dessus de ton bol, là. Mets-toi au-dessus de ton bol, oui, pour que ça déborde. Bon, c'est parfait, ça. Mets-le dedans. Tu as fait combien de gouttes? Oh my God, yes! Encore? Bon, donne. Non, c'est assez. Juste une. Parce que sinon, ça va. Quand on va recevoir notre huile de noix de coco fractionnée, dans notre recette, on va mettre une demi-tasse. C'est moi qui vais brasser après. D'huile de noix de coco fractionnée. OK? OK. Coupa. Non, prends arbre à thé. Exact. Et combien de gouttes? On ne le sait pas. 4! Non, 10. 10! 10. Okay. Vas-y, doucement, ça coule vite. Doucement. Chloé, regarde. Chloé. 3, 4, 5, 6, Chloé. 7, 8, 9, 10. Chloé, regarde. Et... OK, maintenant, on prend la lavande. Lavande. Hey, pourquoi tu me le dis? Je vais faire un sarsécrouve. OK. Là, tu n'as pas le droit de regarder. Donne-moi mon crayon, s'il te plaît, Amy. Combien? 10? Oui, 10. Toutes les huiles, c'est 10? Oui. Non, pas toutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Je cherchais trop. Qu'est-ce que tu prends? La menthe poivrée. Bleu, ici. Et l'autre, badabada, on va savoir à la fin. Ici, c'est menthe poivrée. Oui, on en met 10 encore. C'est pas menthe poivrée. Oui. Regarde, là en bas, là, okay, je te le deuxième. OK, 10, c'était celui-là. On fait attention pour ne pas le mettre trop proche de nos yeux ni de notre nez. Pourquoi? Parce que c'est fort. Maman, qu'est-ce que tu vas essayer sur le crayon? 10. Maman, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. 10. Le dernier, c'est. Le dernier, le dernier c'est Copaïba. Copaïba. Et c'est 5. 10, 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5. OK, Chloé, tu nous caches. Arrête, s'il te plaît. OK, montre-moi ta joue, Amy, Rose. Le moi? Temps que. Oui, toi. Montre-moi ta joue. Attends un petit peu, là. Tu as fait un face-à-face avec un ami à l'école hier? C'est Malcolm. Ouais, face-à-face avec Malcolm. Qu'est-ce qu'on a mis dessus? Lavande. Ah, c'est vrai, on aurait pu mettre lavande, t'as raison. Mais on a mis un rouleau jaune. Il y a un nom vraiment bizarre. On aurait pu mettre le rouleau bleu, maman. Oui, le rouleau bleu, c'est Rescuer aussi, de la collection pour enfants. Et c'était... On a mis Élycrise, le rouleau jaune. Hé, pas terminé. Bon, oui, c'est terminé. C'est moi de prendre ma cuillère.
Non, moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Je l'aurais mis, j'aurais mis le couvert, puis j'aurais brossé. Mmh. Ah ouais, non, je vais pas brosser le même. Okay. Faire les dacs, oui. OK. Mais sans l'échapper. Fait que là, quand on va recevoir notre huile de noix de coco fractionnée, on va remplir notre chasse moustique puis notre gel après-soleil. C'est à mon tour. OK, attends un petit peu. Tiens, faut que tu fasses ton étiquette. Alors, on dit quoi, faut écrire. Tu vas me dire. J'écris ce qui est ici. Aussi, S-O-L-E. G-E-L. OK. En petit, en lettre attachée, si tu veux. Non, laisse-la faire. Ah, ben c'est manqué, mon Dieu. C'est pas manqué. Vas-y, t'es capable. Bon, pendant ce temps-là, moi et Chloé, on va se préparer, OK? OK. Non, mais rose dans ta tête, par exemple. Bon! On y va, OK, toi, tu nous fais des rouleaux. Combien? On va faire deux rouleaux pareils. Et deux petits vocales comme ça. OK? Ah non, c'est un R. Donc, on a besoin de... C'est un R. C'est pas grave. Mais non, maman. Citron. Un autre, maman. Citron. Moi, c'est moi qui le dis. J'en ai besoin d'un. On a besoin d'un. C'est un air. Citron, lavande. J'en ai besoin. Et menthe poivrée et copaïba. Maman, j'ai besoin d'un air. C'est pas grave. Alors. OK. Merci. Là, ça, là, ce trio-là, là, c'est votre meilleur ami pour tout l'été. Menthe poivrée, citron, lavande. Meilleur ami. C'est un must pour tout l'été. OK? Mm-hmm. C'est rafraîchissant, ça ouvre les voies respiratoires, c'est apaisant. Ce trio-là, il y a aussi des vertus antihistaminiques. Il est vraiment très, 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 très apprécié, surtout dans la période estivale. Donc, là, on fait notre rouleau après piqûre. Fait que là, tu sais, notre chasse moustique. Il n'y a aucun chasse moustique qui est sûr à 100 millions de pourcents, est-ce hein, évidemment. Est-ce que c'est le deuxième SL? Est-ce que c'est SL? Oui. OK. Donc, l'eau. Oui. Advenant le cas qu'on se ferait piquer. Oui. On va faire notre rouleau. OK. Ce qu'on va faire, c'est 20 gouttes. Oui. De ces trois-là, chacun. Où c'est quoi, maman? Comment tu fais ça? Je vais te les tenir. OK, ben, je vais le coller ici, maman. Tu les tiens? Où je le colle? Ici? Où tu veux, Rose. OK. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ah, faire un cours de mathématiques en même temps, c'est pas beautiful? Oui, pis pour nous. Vive la greffe des profs. 1, 2, 3, 4, 5. Pis nous, aujourd'hui, là, on reste à la maison, pis quand c'est le temps de terminer de Disney, on s'en va à l'école. 13. Parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe. 14, 15. Il travaille, c'est pas. 17, 18, 19. Et 20. Madame Dominique, est-ce qu'elle vous a expliqué pourquoi il y avait une grève? Non. OK, citron, Chloé. Pourquoi, hey, maman? Maman, sur le mur là, de l'école, il y a des dessins. Ouais, sur le mur de l'école, il y a des dessins. Là, on a fait membre. Il y avait des. Vrai, puis là, il y avait on va faire citron. Il y avait un. Et on met encore 20 gouttes. Voilà, maman. Citron. Viens le mettre dans mon plateau. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On a mis 20 gouttes, alors on va faire l'autre. Super. Tu peux-tu compter dans ta tête? Je vais leur expliquer quelque chose en même temps. Donc, comment on fait pour savoir combien de gouttes mettre dans un rouleau comme celui-là versus... à le remplir d'huile de noix de coco fractionnée. Parce que quand on fait un rouleau d'huile essentielle, c'est ça qui est important. C'est la dilution entre ces deux huiles-là. Quand vous commencez, quand vous débutez votre aventure avec les huiles essentielles, donc quand vous débutez votre... nouveau style de vie. Je rajoute combien de gouttes? N'en rajoute pas.
OK? Lavande maintenant. On a fait citron, puis poivré. Vas-y, doucement. Regarde ce que tu fais. Tu es très près de tes bouteilles. Vas-y, doucement. On va faire lavande, puis encore 20 gouttes. Exactement. Votre conseillère, à l'occurrence, moi-même, vous fournit une charte de dilution. Donc, dans cette charte-là, vous avez, il vous mentionne, OK, la recette que vous allez créer, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour un bébé, une femme enceinte? Est-ce que c'est pour réduire une douleur qui est relativement aiguë? Est-ce que, là, rajoute-en 20 ici. Mais je sais, il va en manquer, mais c'est pas grave. On ne sait pas comment il y en a eu dedans. Attention! C'est loin, ça? Oui. Est-ce que c'est pour une personne âgée? Est-ce que c'est... Dans le fond, vous allez déterminer qui va utiliser votre recette et pour quelle raison. Ensuite, vous déterminez la quantité que vous allez faire. Comme là, moi, j'ai des rouleaux de 5 millilitres. Il y en a de 10, il y en a de 20, il y en a de 15 millilitres. Il y en a de toutes les quantités. J'ai terminé la lavande. Parfait. On fait un... Copaiba. Copaiba, c'est la moitié moins que les autres. 10. Exactement. Donc, on avait 20 gouttes de chaque. Maintenant, le Copaiba, on va mettre 10 gouttes. On a fait ces trois îles-là, puis on va faire lavande. Copaiba. Exact. Bon. Voilà. Fait que... Une fois que vous avez déterminé à qui va aller la recette, qui va l'utiliser et quelle quantité vous faites, vous avez le nombre de gouttes totales que vous pouvez mettre dans votre rouleau. Et de cette façon-là, vous mettez votre nombre de gouttes. Puis ce qu'on fait après, c'est qu'on remplit le reste de quantité d'huile de noix de coco fractionnée, tout simplement. Chloé, attention à tes bouteilles. Parfait. Là, j'ai terminé de faire les huiles essentielles. Super. Maintenant, on met... On met quoi? L'huile de... Là, prends-en une seule, là, parce qu'on ne veut pas avoir de dégâts. On met ça ici. Combien de gouttes? Là, wow, stop. Je vais le faire, OK? Non, j'avais une bonne façon. Je vais le faire, je vais te montrer comment, puis après, tu vas pouvoir le faire. OK, fait que tiens, tu vas prendre le téléphone. Attendez. Comme ça? Tu me vois bien? Attends, peu juste. Je vais te choumer. Sur la boutique en ligne de doTERRA, vous avez les bouteilles d'huile de noix de coco fractionnées comme ça. Puis si vous allez dans les accessoires, vous pouvez vous procurer une pompe qui est vraiment très, très, très abordable. Fait que moi, je m'en passe pas de cette pompe-là parce qu'elle est vraiment trop facile à remplir nos rouleaux comme ça. Fait que Chloé, garde, je fais juste la côté. Ouais. Puis je vais aller remplir mon rouleau. OK. Comme ça. Et voilà, lui est rempli. Ouais. Je vais mettre le bout. Comme ça. Puis après, tu mets le bouchon, puis il est prêt. Mais c'est moi qui brosse. Le bouchon. Puis qu'est-ce qui manque après? Il manque l'étiquette. Oui, il faut savoir qu'est-ce qu'on a là-dedans. OK, mais c'est moi qui brosse. Fait que toi, tu fais l'autre? Oui. Okay. C'est parti. Vas-y doucement. Là, je suis encore désolée. C'est pas grave. C'est que mes mains sont super glissantes. Mais tu te tiens? Non. Ça marchera pas. Mais je comprends pas. Je te l'ai montré. Maman! Tiens-le dans les airs. Mes mains glissent. Tu sais, c'est quoi, maman? Tu veux-tu que je le fasse? Tu te rappelles que tu m'avais montré ça, que tu étais capable de... Ah, on l'a
celui-là, maman, ensemble. OK. Est-ce que notre recette va être moins efficace parce que on a perdu des huiles essentielles? Non. Non, elle sera pas moins efficace. Parce qu'il reste encore des huiles essentielles dedans. Parce qu'il y en a encore tout plein. Ouais. Non, mais là, je peux juste mettre le bouchon. Maman, qu'est-ce que je peux m'en mettre sur mes affaires? Non, parce que ça, c'est la meilleure partie pour tout renverser. Maman, et qu'est-ce que je peux m'en mettre? Tu peux aller nettoyer tes mains, toi. Moi? OK. Là, il nous reste juste à faire l'étiquette. Parce que, oui, c'est déjà arrivé de faire des rouleaux, de ne pas mettre l'étiquette et de se retrouver avec une recette qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ah, oh, maman, j'avais dit que c'est moi qui fallait brosser. Oh, OK. Là, brosse là, l'autre. Brosse l'autre. OK. Il nous reste juste à mettre l'étiquette. Fait que là, on a notre gel après-soleil, notre chasse moustique et on a deux rouleaux. Puis j'ai mon chasse moustique de lâche ici. Donc ça, puis ça, ça s'en va dans ma sacoche. Puis ça, ça reste dans la maison. Là, il est 10h41. On a commencé à S5. C'est les enfants. Ça fait une belle activité avec les enfants. Sous supervision toujours. Et il est marqué ici. Tu peux marquer après piqûre. OK, marque pas rouleau à billes. Donc, ça fait. Après. Ça fait des belles recettes qu'on peut faire avec nos huiles essentielles. On peut réduire notre charge toxique en justement en remplaçant certains produits qu'on achète sur les tablettes des grandes surfaces qui. Plus souvent qu'autrement, on a plein d'ingrédients qui sont synthétiques et qui sont pas bons pour notre santé, malheureusement. Donc, je t'ai demandé d'aller laver tes mains. Mais ils ont lavé? Ouais, ben on dirait que non. À cause de ton barbouillage, je suis l'autre côté, si tu veux visser. Parfait. Alors voilà, moi je suis bien contente. C'est des belles recettes qui sont efficaces, qu'on utilise été après été. On est capable de faire ça avec des enfants. Oui, les enfants sont bien contents de participer à cette, voilà, à ces belles créations-là. Ça nous a marre. Ça a fait une belle étiquette et il nous en manque une. Eh oui. Fait qu'on va aller la faire. Est-ce qu'on souhaite une belle journée? Bye bye. Bye. Bonne journée. Bye. Bon, tu as la bouche pleine, toi. Bye bye. Bonne journée. Bye.